On vous a mis sous pression. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour neutraliser la force de la peine? C'est que vous pas encaisser la phrase en tout cas. La volonté. La volonté de mes joueurs. De défendre les couleurs de mon joueur. Et l'organisation. APA et toute une équipe qui joue très bien à la balle. Il fallait les arrêter. Et pour le faire, il fallait vraiment se concentrer, travailler dur, beaucoup de communication. C'est très important. Nous arrivons à gagner le match par beaucoup d'efforts. Nous sommes encore en phase de construction. Nous avons un mois de vie, notre équipe a un mois de vie. C'est pour ça que même si on a gagné contre APR aujourd'hui, moi je ne veux pas la pression. Nous on est en train de construire une équipe, on n'est pas encore prêt. On a eu la chance de nous préparer aussi comme les autres pour que nous arrivions aussi à faire les bonnes choses dans le championnat rwandais. Je remercie le chef de l'État du Rwanda, M. Paul Kagame, qui organise ces événements qui sont vraiment magnifiques. Cette petite victoire aussi, je veux dédier cette petite victoire à que le Rwanda mérite la joie. Cette victoire, c'est le peuple rwandais qui a gagné. Après avoir encaissé le deuxième but, on avait pour la remonter le score. Tactiquement, qu'est-ce que tu as changé pour justement revenir au score? Mon milieu de terrain, un de mes milieux de terrain était déjà fatigué. Il fallait que l'un autre joueur vienne lui porter main. Et surtout encourager les autres qui étaient aussi déjà fatigués de ne pas se laisser faire. Le deuxième but, on l'a travaillé pendant longtemps dans les entraînements. Alors, dans la communication, j'ai demandé à Evod d'essayer en une touche de tirer au goal. Il a essayé. Par chance, ça a marché. Souvent, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. The last question for Coach Ovan, Omar, Dodo. Coach, la fois passée, vous aviez joué contre Rayon Sport. Le rythme vraiment de Bufoura était vraiment, je dirais, plus bas. Mais aujourd'hui, on a vu un autre rythme qui est vraiment très différent de l'image que vous avez joué contre Rayon Sport. Qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui? Parce que le match de Rayon Sport et de celui d'aujourd'hui, ça a été vraiment un peu très différent. Y a-t-il d'autres éléments qui ont vraiment intégré le club pour emmener des changements qu'on a vu aujourd'hui? La première des choses, c'est que j'entraînais tout seul. Les adjoints sont arrivés après. Les Espagnols et les Camerounais sont venus me joindre après. Ça, c'est un grand problème que j'ai eu. J'ai mon capitaine Gaël qui est arrivé. J'ai Gérard, le gardien, qui est arrivé. J'ai Sam qui vient de Rayon Sport, qui a eu pitié de nous. Joindre aussi. On a beaucoup travaillé le match de Rayon Sport, qui est un grand club d'ailleurs. Ça nous a permis de voir les défaillances et ce qu'on pouvait faire de mieux. Donc, humblement, on essaie de travailler tout ça. Ça va. Merci, coach. Merci. Question pour le coach de APR, votre réaction? Merci, coach. Bonne chance, on continue à ça. Okay. Votre réaction, peut-être pas perdu, c'est pas qu'est-ce qu'il y a maintenant? Premièrement, je tiens à remercier le président du pays pour le tournoi d'Agachiro, qui est un tournoi prestigieux qu'on vient de découvrir. Je tiens à vous informer qu'on était averti au dernier moment par l'organisation de ce tournoi. Et reviens aux questions du monsieur. On ne doit pas oublier que APR, aujourd'hui, 80% du noyau de APR est de nouveau. Il ne faut pas oublier aussi que 8 joueurs, depuis le championnat militaire, on ne les a pas vus. Alors, on a fait la préparation sans 8 joueurs. Alors, on était obligé de respecter les joueurs qui ont travaillé avec nous, qui ont fait les 2 matchs amicaux. C'est une fierté. Je suis très fier d'eux pour aligner des joueurs dans un certain niveau contre des joueurs de niveau de Mokora, qui
qu'ils ont de l'expérience, qu'ils sont trop costauds dans les duels, qu'ils ont du vice du football, comme on dit, du métier. Et tu fais rentrer un joueur comme Younes en arrière latéral droit, qui a commencé le match, un Placide au arrière central, okay, un Prince au milieu de terrain défensif, et qui a duré 90 minutes. Il faut saluer les efforts de ces joueurs-là. Un Fiacre qui est gardien de but. Hein, et il faut négliger qu'on a mis Sojira. On a dit c'est bon pour l'équipe nationale parce qu'il va partir. Alors, Sef, Emmanuel, on les a laissés à la maison parce qu'ils vont rentrer en concentration avec l'équipe nationale. On a vu la progression de pas mal de joueurs. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase de préparation et de construction. Et on est en train de trouver les automatismes entre les joueurs dans une conception que Appert mérite l'avoir. Une conception de jeu que Appert mérite l'avoir. Alors, moi, je suis fier de mes joueurs. J'ai tiré ce que j'attendais de ce match parce qu'il ne doit pas oublier que c'est un match préparatif, quand j'ai dit au dernier match amical, qu'en compétition. Alors, je cherche la préparation de connaître mieux mes joueurs au lieu de chercher la compétition. La compétition, c'est championnat. Thank you.